Allez, salut les gars, voilà, ça touche Moïse Hospital et vous êtes là sur la bonne chaîne et vous êtes là sur la chaîne de M. Le Russo 225. Voilà, donc, dans un premier temps, je voulais d'abord rappeler à ceux qui me suivent, voilà, que nous sommes disponibles pour ceux qui doivent arriver ici en Russie et qui ne seront pas reçus par leurs universités. Nous sommes là pour les accueillir. Et aussi, savoir que vous devez vraiment, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, essayer d'envoyer vos documents et votre visa que vous avez obtenu à votre université avant même de prendre votre avion là-bas et arriver ici en Russie. C'est assez important, je le répète encore. Ok, aujourd'hui, je suis juste là pour, comme ça, parler un peu du garant financier. Le garant financier en ce qui concerne la procédure de la bourse du Canada. Voilà, parce que il y a plusieurs personnes comme ça qui se voient refuser le visa à cause du garant financier. On leur dit, par exemple, qu'ils n'ont pas assez de fonds pour pouvoir aller étudier là-bas au Canada et tout ça. Vous savez que c'est vrai, vous pouvez avoir de bons résultats, vous pouvez avoir de bonnes moyennes et tout ça, mais en grande partie, les Canadiens ou bien le consul ou bien l'ambassade ne pourra jamais, voilà, vous laisser aller au Canada sans que vous ayez de bons fonds, c'est-à-dire sans que vous ayez un compte qui est bien garni pour que vous puissiez prendre en charge vos études et vous aussi vous prendre en charge. Alors, pour cette vidéo-là, je suis là pour vous aider un peu à savoir un peu quels sont les documents que le garant doit mettre en charge, voilà, ou bien doit essayer de vous donner pour que vous puissiez insérer sur votre plateforme du permis d'études et aller y étudier. Donc, dans un premier temps, on va prendre l'attestation de travail. D'abord, le premier élément, c'est l'attestation de travail. L'attestation de travail, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, comme ça, vous êtes prof de mathématiques ou bien vous travaillez dans une entreprise, voilà. Il y a l'entreprise qui vous donne un document et qui prouve que vous êtes vraiment, que vous travaillez là-bas, vous êtes son employé. Vous voyez, voilà. Donc, on appelle ça attestation de travail. Vous pouvez prendre cela et puis essayer d'ajouter à vos dossiers. Et je rappelle encore, tous ces documents que je vais citer, vous devez les mettre ensemble et les insérer sur la plateforme du permis d'études à la partie garant financier. Voilà, donc c'est assez important, n'oubliez pas. Maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? C'est un certificat de résidence, mais ça va dépendre du certificat de résidence. Si par exemple comme ça, vous résidez peut-être, si votre employeur ne réside pas dans le même pays que vous, vous voyez, ou bien qu'il y a un passeport qui est différent du pays de résidence, l'employeur vraiment doit essayer de montrer au consul ou bien à l'ambassade qu'il ne réside pas avec vous. Donc, vous devez avoir un certificat de résidence. Si par exemple, vous êtes au Cameroun ou bien au Ghana et que votre employeur est en France, votre employeur doit vraiment avoir un certificat de résidence, voilà, qui prouve que ce personnage ou bien le garant financier se trouve en France. Voilà, donc vous allez compléter. Et après ça, il y a l'attestation de solde. Voilà, l'attestation de solde, c'est une manière aussi de montrer un peu quelle est la base ou bien quels sont les fondements de vous-même, votre argent. Et si ça se trouve dans une banque, combien est-ce que ça peut faire? C'est-à-dire, si vous avez des fonds dans une banque, voilà, vous devez vraiment montrer que vous avez ces fonds-là dans une banque. Et lorsque vous allez faire le virement bancaire et tout ça, parce que vous devez aussi vous procurer des attestations, c'est-à-dire des virements bancaires, des RIB qui vont vraiment aller de façon parallèle avec votre attestation bancaire. Vous voyez un peu? Voilà, donc, il faudrait vraiment montrer à l'ambassade et tout ça que vous avez vraiment mérité l'argent qui se trouve sur le compte bancaire, voilà, en vraiment donnant des RIB et des RIB qui coïncident ou bien qui sont vraiment de façon proportionnelle à votre compte bancaire. Voilà, donc, une fois que vous avez l'attestation bancaire et que c'est bon, vous allez maintenant essayer d'utiliser votre certificat de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des biens matériels, peut-être
des maisons à louer ou bien des terrains ou bien des plantations et tout ça, vous devez aussi essayer d'ajouter ces documents-là qui prouvent que ces éléments, je parle du garant, qui prouvent que le garant a aussi des éléments ou bien des biens matériels ailleurs ou bien des biens. Voilà, donc vous mettez tout ensemble et puis vous ajoutez sur la plateforme. En plus de cela, vous allez prendre aussi, vous allez mettre des prises en charge. Les prises en charge, c'est quoi? C'est que lorsque, par exemple, vous devez écrire, je vais prendre un exemple assez simple. Le garant écrit, par exemple, que voilà, j'ai telle somme sur mon compte, voilà, et je décide de prendre en charge mon fils qui va aller dans votre université, voilà, et je sais très bien que l'université coûte tel montant. En ce qui concerne, par exemple, comme ça, les modalités ou bien la façon d'écrire ces lettres-là, ça va dépendre de vous. Donc, pour chaque étudiant, voilà, il y a, ou bien pour chaque garant financier, il y a une multitude de quoi, de façon d'écrire ces lettres-là, les lettres explicatives et tout ça. Ça, c'est vous-même qui les écrivez. Vous voyez, voilà. Donc, la banque aussi doit écrire une lettre qui provient d'elle-même et qui dit que votre oncle ou bien votre père a vraiment des fonds assez suffisants, c'est-à-dire assez suffisants de telle somme. La banque doit vraiment préciser les fonds. Vous comprenez un peu? La banque doit préciser les fonds et que ces fonds-là seront redirigés vers son fils ou bien son neveu avec tel nom et ils mettent votre nom. Vous voyez? Donc, en grosso modo, si je dois tout récapituler, vous devez avoir l'attestation de travail, voilà, l'attestation de virement, l'attestation de solde, un certificat de résidence si possible, voilà, ou bien si nécessaire, un certificat de propriété. Vous devez envoyer aussi le passeport du garant, une prise en charge, et puis vous allez mettre aussi le relevé bancaire. Le relevé bancaire, on va dire que c'est le RIB, vous comprenez un peu. Donc, sur ces éléments-là que vous allez essayer de combiner et puis essayer de mettre tout ensemble. Vous devez les rattacher, ce n'est pas de façon séparée. Vous devez les mettre vraiment ensemble, mais vous devez les classer. Et une fois que vous finissez, vous allez insérer sur la plateforme du permis d'études. Et surtout, n'oubliez pas, tous ces documents-là, lorsque vous les assemblez, ça ne doit pas dépasser les 10 mégaoctets. Les 10 mégaoctets, donc si ça dépasse, essayez de retirer les éléments qui ne sont pas vraiment assez importants pour que ça puisse être moins ou bien inférieur à 10 000 à 10 mégaoctets. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Donc maintenant, vous savez un peu quels sont les documents que votre garant financier doit avoir pour ne pas vraiment que vous ayez des soucis là-bas à l'ambassade. Donc, j'espère que vous allez vraiment prendre soin de cela et vous allez vraiment les appliquer comme je les ai expliqués. Ok, si il y a des éléments que je n'ai pas bien expliqués et que vous ne comprenez pas, essayez de m'écrire en commentaire. Je vais essayer de vous reprendre et mieux vous expliquer. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et à plus, les gars.